On y est, on est live. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va se démarrer. On va se laisser encore quelques petites secondes, histoire que tout le monde arrive, que les gens se connectent. Il est 16h. C'est l'heure du rendez-vous. On va voir Hop. qui... Est présent n'hésitez pas à nous saluer pour ce rendez-vous consacré au stockage sur aws on va passer une petite heure ensemble pour ceux qui ne le seraient pas encore abonnez-vous à la chaîne YouTube, si vous voulez recevoir les informations. Salut de Lille. <laughs> Ici, c'est un salut de Fontenay-sous-Bois, pour être précis, à côté de Paris. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. On va se prendre quelques secondes. Je vais démarrer tranquillement la présentation de la session. Et puis, ce qui devrait laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et puis, bah écoutez, on va se lancer dans dans le vif du sujet, comme dirait l'autre. Je vais passer en mode hop, présentation. Donc, bonjour, bonjour à tout le monde. On se retrouve pour une session consacrée au stockage d'AWS Cloud, le cloud public d'Amazon. Je m'appelle Deviadan. Je serai votre présentateur pour cette session aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn par exemple. Donc Adam davis, c'est le prénom. Je suis consultant freelance, architecte cloud et instructeur Amazon auprès de mes partenaires de formation, y compris donc Data Test, avec qui nous faisons une collaboration aujourd'hui pour présenter cette session. Euh, consacré donc au cloud moi je m'occupe chez mes clients de conseils, de design, d'architecture j'assiste aussi euh, bah, toutes les équipes à monter leurs projets je m'occupe aussi de la mise en conformité de la sécurité et puis effectivement j'ai une grosse partie de formation j'accompagne les clients en formation depuis plus de 8 ans maintenant je fais aussi du coaching individuel ou dans les entreprises auprès des gens qui ont besoin de revoir leur carrière de, de trouver une porte de sortie à, les, à des chemins un peu bouchés ou pour celles et ceux qui veulent passer indépendant aussi, ça fait partie de mes qualifications. Donc aujourd'hui, notre rendez-vous, bonjour à toutes et à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre, se tourne autour du stockage dans le cloud d'AWS. Donc on va bon, c'est une heure hein, de présentation rapide, somme toute, mais euh, synthétique sur les essentiels du support dans le cloud. On parle bien de support, donc on ne va pas parler de base de données ici, mais on va parler des technologies hein, type objet, fichiers euh, et autres types de support. Et puis on va voir ensuite. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les gérer, quelles sont les fonctionnalités qu'on a, et vous allez voir que ce sera déjà pas mal. Et puis en fin de parcours, si vous avez quelques questions, dans la mesure où euh, ce sera pertinent d'y répondre ici, on pourra euh, revenir dessus. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous en pensez, si c'est sympa pour vous, s'il y a des idées de prochaine présentation dans le sujet, puisqu'aujourd'hui on développe cette partie euh, plus orientée sur le cloud public et moins la donnée, puisque Data c test est un. Un organisme de formation qui accompagne les personnes qui veulent s'orienter, surtout, principalement aujourd'hui, sur la culture DevOps et de la donnée. Mais il y a aussi une partie cloud qui est en train de se former plus, s'affirmer. Ça, ça Donc, si là est votre intérêt, écoutez, on sera ravis de vous accompagner dans cette démarche. Et si vous le voulez bien, eh bien écoutez, on va y aller tranquillement. On va rappeler, comme toujours, puisqu'on va parler de cloud public, bah, qu'est-ce que c'est qu'un cloud public C'est tout bête, mais. Si on veut savoir ce qu'on y fait, ce serait peut-être pas mal d'avoir une idée de qu'est-ce que c'est déjà pour commencer. Alors, je vais enlever ma tête ici quelques instants. Donc, un cloud public, c'est un endroit où un fournisseur, ici en l'occurrence pour notre cas AWS, Amazon, a décidé de prendre en main les moyens informatiques euh, qui sont à sa mesure, qui sont à sa portée, pour ensuite les offrir sous forme de service. Qu'est-ce que c'est qu'un service Je rappelle qu'un service, c'est quand quelqu'un fait quelque chose pour vous. Sans que vous en ayez en peser la lourdeur, le poids, la gestion, la dette technique, voire la, la connaissance. Comme je dis toujours, le cloud, c'est comme aller au restaurant. Moi, quand je vais au restaurant, je suis pas obligé de savoir cuisiner, ni obligé de savoir gérer un restaurant, ni de me faire engueuler par Philippe et Chabest. Quand je vais au restaurant, c'est pour manger, simplement. Donc, quand je vais dans un cloud public, c'est pour manger exclusivement. Moi, je vais manger, euh, enfin, pas que le public, je ne vais pas manger. Dans le restaurant, je vais manger. Donc, j'arrive, je m'assois, je pose une commande et je dis, ben euh, qu'est-ce que vous avez à me proposer Ça veut dire que le fournisseur du restaurant, il a une liste de services qu'il est prêt à manger, c'est-à-dire de plats qu'il a préparés à l'avance ou qu'il a anticipé à préparer pour pouvoir le fournir. C'est ça, en fait, faire du service. Bonjour Trésor. Euh, je dis bonjour dans le, dans le chat au passant. Euh, ça veut dire que le restaurant s'occupe de faire le reste. On est d'accord, hein. je ne sais pas pour vous, mais à aucun moment, quand je vais au restaurant, j'imagine que le plat, il vient d'une dimension parallèle ou d'un trou noir, ou c'est des extraterrestres qui m'amènent. Alors, chacun a ses croyances, hein. je n'ai pas de problème avec les extraterrestres. Bon, on est bien d'accord que dans un restaurant, quand je viens manger, je sais qu'il y a une cuisine derrière avec des gens qui savent faire, qui ont des équipements, qui ont du savoir-faire, qui ont des ingrédients et qui moulinent l'ensemble pour me donner un plat. Ben, c'est pareil. Dans un cloud public, mon fournisseur d'accès, ici Amazon, bah, eux, ils s'occupent des moyens de fournir des services de, par exemple, de stockage, parce que c'est un autre sujet. Donc, ils vont nous fournir les moyens de stocker de la donnée, de la rendre peut-être résiliente, peut-être la sécuriser, de la libérer en accès ou contrôler ses accès. Et sans que j'ai moi, à m'en occuper dans cette partie-là. Moi, j'aurais reçu peut-être des, des, des options. Comme Quand vous allez au restaurant, des fois, vous avez l'option bah, de la sauce. Quelle sauce vous prenez Est-ce que vous prenez un supplément de fromage ou de viande ou, ou de salade Des fois, on a des, comme ça, des annexes qu'on peut changer, puis des fois, non. Donc, le cloud public, c'est un endroit où tout le monde peut aller, il suffit d'une connexion Internet, ensuite on consomme des services. Ces services sont basés sur un usage à la demande, c'est-à-dire comme au restaurant, je prends le menu et je dis ce que je veux. Si je n'ai rien dit, je n'ai rien. Si je veux m'en aller, il ne se passera rien de plus, c'est tout à fait possible. Donc, dans un restaurant, je consomme ce que je veux à la demande et la facture est sur le modèle Pay as You Go. Pay as You Go, ça veut dire que je ne suis facturé qu'à hauteur de ce que j'ai consommé. Si je me trouve avec une facture que je trouve excessive, c'est soit que j'ai peut-être mal estimé le coût, ou alors c'est que je n'ai pas compris, ou alors bah, c'est que je consomme plus que ce que j'ai prévu initialement. Et donc peut-être qu'il faut que j'interroge ce coût-là dans une analyse financière, dans une analyse de, de justification. Okay Ça, c'est notre objectif à nous. Donc dans un cloud public, je vais aller retrouver évidemment toutes les modalités du cloud public, c'est-à-dire la possibilité de faire tourner mes applications, de créer mon réseau, de stocker ma donnée. Euh, sans avoir bien sûr l'empreinte du data center à gérer, etc. Tout ça, c'est les bénéfices du cloud. On ne va pas les revoir à chaque fois qu'on va présenter une solution, mais l'idée, c'est ça. Dans un cloud public, moi, je ne paye pas l'empreinte du cloud, je paye la consommation, je n'ai pas de pré-investissement, je n'ai pas d'infrastructure à mettre en place. Je viens consommer ce que je veux. Quand j'ai fini, j'arrête, j'ai cette élasticité. On dit souvent que le cloud agile, le cloud, c'est très agile, sauf. Je dirais la donnée pour le coup. Donc là, c'est le sujet de notre journée. Nous, on va parler de data, de données. La donnée, c'est la seule chose qu'on possède dans un cloud. J'explique ce que ça veut dire. Si vous consommez des serveurs virtuels dans un cloud, ils ne vous appartiennent jamais. Vous ne pouvez jamais les ramener à la maison. Voilà ce que ça veut dire, par exemple. Si vous créez une base de données dans un cloud, le moteur de la base de données, les disques qui émergent vos données, ne vous appartiennent jamais. La donnée qui est inscrite dans la table, par contre, vous appartient. Donc, ça veut dire que dans un club public, finalement, tout ce que je consomme, c'est de la. c'est comme de la location. C'est comme si vous passiez votre vie à vivre à l'hôtel. L'hôtel ne vous appartient jamais. C'est possible, hein ça coûte un certain budget, mais c'est possible. Et il y a des gens qui vivent leur vie à l'hôtel. Donc vivre sa vie à l'hôtel, ça veut dire qu'on ne paye, on n'est jamais propriétaire des, des, des murs, on n'est jamais propriétaire non plus des lieux, on n'est pas propriétaire du lit, des draps, etc. Nous, ce qu'on amène, c'est nos bagages avec nous. Donc, la donnée, c'est ce qu'on a de plus précieux dans un cloud, puisque c'est la seule chose qui nous appartient réellement, dont on est totalement propriétaire et qu'on va potentiellement ben, embarquer à l'extérieur. Cette donnée, alors parlons des données des entreprises. Aujourd'hui, on a de la donnée d'entreprise parce qu'on ben, en a besoin. Comme je dis toujours, la donnée n'a pas de valeur en soi. Genre, ben, si, j'ai entendu dire que ça avait plus de valeur que le pétrole. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous savez que le, le pétrole en lui-même… Le, le, le composant, hein, si vous avez du pétrole dans votre jardin, vous avez juste une, une flaque de boue noire, gluante, dégueulasse et puante. C'est-à-dire qu'en fait, le pétrole, de base, n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la capacité à extraire d'autres matières issues du pétrole en le raffinant. Eh bien, c'est la même chose pour la donnée, quand on réfléchit. Une donnée brute, je peux vous présenter 14 téra de données, vous allez me dire, je ne sais pas quoi en faire, et pour moi, ça n'a pas de valeur. Et vous aurez raison. Donc, la donnée, ça n'a pas de valeur en soi. Ce qui a de la valeur, ça s'appelle l'information. Et l'information, ça s'appelle, la définition de l'information, c'est l'intelligence et la valeur, ou la valeur plutôt issue de la donnée. Donc la donnée, c'est tout ce que j'ai finalement, c'est toute la richesse dans mon entreprise, puisque c'est à partir de cette donnée que... Bah, je vais collecter les informations sur les utilisateurs et donc ça va me permettre de mieux les conseiller, donc de générer peut-être plus d'actions de vente. Ça va me permettre de comprendre une situation et d'y réagir plus vite. Ça va me permettre de comprendre une situation et d'anticiper la suite. Ça va me permettre de détecter des patterns qui vont me rendre plus intelligent qu'un autre, que sais-je encore. Donc la donnée, c'est ce qu'on a de plus critique dans un cloud et ce qu'on a de plus, on va dire, statique dans le temps. Attention il n'existe pas one storage to rule them all, comme disait Tolkien. Donc, il n'y a pas un seul stockage unique pour tout faire, ça n'existera pas. Je vais même aller plus loin, même si on va en parler légèrement ici, si on était donc quelque chose de plus en profondeur en technologie, on en reparlerait. mais il n'y a même pas un seul stockage pour toute la vie d'une seule donnée. Donc il existera potentiellement des besoins de retraiter, de recycler souvent la donnée. Quels sont les besoins donc, des entreprises Pourquoi le cloud va nous aider là-dedans Donc, les besoins des entreprises, c'est tout simplement déjà d'opérer de la résilience. Donc, stocker la donnée, ça peut être la sauvegarde, la restauration. Ça me permet de consolider mon modèle de continuité. Ça me permet de pouvoir facilement me projeter. Ici, le lien, ça va être de pouvoir stocker la donnée, y compris potentiellement de façon peut-être un peu plus économique que chez soi. Je rappelle que les équipements de stockage professionnels qu'on peut acheter à la maison, donc là, je parle de promises pour une entreprise privée, quand on parle des deux stockages de type NetApp, Hitachi, EMC. On parle d'équipements qui valent entre une dizaine de milliers d'euros au prix d'une maison en région parisienne. D'accord, c'est beaucoup plus pour le coup. Donc là, on se, doit, on se dit, il y a peut-être un souci pour le coup si on a des équipements comme ça. À la gestion, on se dit, il va peut-être falloir optimiser ces stockages-là parce que je ne peux pas me permettre de remplir un stockage qui coûte très cher, que j'ai souvent en deux exemplaires, quand il n'est pas en quatre exemplaires avec deux sites, euh, parce que je ne peux pas me permettre pour le coup de stocker une donnée qui n'aurait pas de la pertinence pour moi. Et toutes les données n'ont pas la même valeur pour moi. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve la bonne solution. Il n'y a pas one storage, all them all, vous voyez Il y a vraiment du sens là-dedans. Donc, la sauvegarde-restauration, c'est un premier élément. On peut aller ensuite plus loin à mettre en place des politiques d'archivage et puis surtout de résilience de données pour la mise en conformité. Donc, ça ne s'appuie pas que sur la sauvegarde. Ça veut dire qu'une solution de stockage, ça s'appuie aussi sur l'idée qu'une donnée doit être pérenne dans le temps. Elle doit être, on dit, durable. La durabilité d'une donnée, c'est la capacité en garder un état intègre et consistant sur le temps. Il y a le garantir sur des longues périodes. Si vous mettez une donnée en place et puis la donnée peut changer de forme sans que personne ne soit au courant ou que personne ne sache qui a fait quoi dessus, ou même qu'elle soit bien corrompue, évidemment que ce n'est absolument pas souhaitable. Surtout, comme je veux dire, potentiellement, c'est l'essence le que je mets dans mon moteur pour alimenter les applications. Donc, si je la perds, c'est très, très pénalisant. Et à côté de ça, je rappelle que pour... Toute entreprise, peu importe où vous êtes dans le monde, dans le pays où vous vous situez, il y a des règles, il y a des normes, il y a des lois à respecter. C'est-à-dire que toute entreprise qui se met à héberger des données doit respecter un certain nombre de règles. Vous avez RGPD, par exemple, sur la gestion des données privées, vous avez des règles de résilience qui viennent des normes ISO ou SOC, etc. Donc, on a plein de règles qui viennent nous dire que la donnée, elle doit être traitée d'une certaine façon. Elle doit, par exemple, exister de façon redondée afin d'assurer justement la durabilité, voire aussi la disponibilité on peut avoir besoin aussi de, de, de stocker des données de façon long terme. Donc là, on parle de stocker des données sur peut-être quelques années, voire des dizaines d'années, quand on parle d'archivage. Alors l'archivage, il s'agit hein, d'une stratégie de stockage de données qui nécessite qu'on fasse sortir la donnée de production. J'explique ça parce que souvent, je m'aperçois qu'il y a une confusion entre stockage et archivage. L'archivage est une forme de stockage euh, comment dire, stratégique spécifique. Je vais comparer ça justement à mon restaurant. Quand mon restaurant veut faire des plats, qu'est-ce qu'ils font Ils préparent la cuisine avec tous les ingrédients devant eux, ok Donc ça, c'est la production, c'est vif. L'archivage, c'est quand on a oublié quelque chose en stock, il faut se déplacer pour aller le chercher avant de l'utiliser. Ben, c'est ça. Donc l'archivage, c'est d'aller dans son frigo chercher un truc qui n'a pas été préparé pour, d'abord, il faut se déplacer pour les chercher. Dans un archivage, on parle d'observation, de récupération, de retrieve. Donc, ça permet d'aller récupérer la donnée, de la rapprocher plus près de ce qu'on est en train de faire et puis l'archivage ensuite ça nécessite donc potentiellement là ce serait pour ponctuellement consommer une donnée alors on est d'accord que quand on archive en général c'est parce que la donnée elle est trop vieille elle n'a plus d'usage en prod mais on la garde soit parce que légalement ça nous est imposé c'est à dire que la loi nous dit euh, en tant que possesseur de cette application de ce business vous avez l'obligation de garder la donnée c'est un peu comme vos papiers perso vous savez hein. si vous voulez une retraite jamais, peut-être qu'un jour on en aura une. Mais si vous voulez une retraite, il faut garder toutes vos fiches de paie, toute votre vie, parce qu'il faut pouvoir justifier de chaque trimestre, acquis, etc. Donc on vous dit, les documents, là, il faut les garder à vie. Il y a d'autres documents, vous les gardez deux ans. Bah, c'est pareil, les archives, c'est la même chose. C'est les données d'une entreprise, vous les gardez un an, deux ans, cinq ans, dix ans, ou à vie, ça dépend avec qui vous travaillez et quelles sont vos obligations légales. Donc l'archive, c'est une solution de données durables. En général, ce qu'on essaye de faire dans ce cas-là, c'est d'avoir le moins cher possible, puisqu'on est sur du, des très longues durées. Et une archive mais pas forcément une donnée qu'on a besoin de récupérer très souvent, voire même quasiment jamais finalement. Finalement, on s'en servirait que le jour où quelqu'un d'extérieur nous exigerait la preuve qu'on a la donnée. Ça s'appelle un audit par exemple. Maintenant, vous avez les clients qui font de l'archivage et je vais passer à la suite juste après, je vous rassure. Il y a des clients qui font de l'archivage parce qu'en fait, ils ont une donnée, ils trouvent judicieux de ne pas l'acheter pour l'instant à la poubelle, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont en faire, mais ils se disent à un moment donné, ça peut être utile de s'en servir. D'accord donc la donnée, ça peut être intéressant de la garder de côté pour une utilisation ultérieure qui pourrait être, euh, bah, je ne sais pas, un machine learning. Vous avez d'un seul coup un outil de business qui vient analytique, qui dit, tiens, ce serait pas mal euh, de faire ce croisement sur toutes les données que vous avez précédemment. Par contre, l'historique que vous avez encore chez vous, il est un peu léger. Si on fouillait les archives, on peut restaurer de la donnée pour ce biais-là. Vous voyez, l'archivage, ça peut être un, plusieurs façons d'utiliser la donnée. Ensuite, on a bien sûr les données courantes, Home Directory, c'est-à-dire... Bah, euh, moi, j'ai des utilisateurs qui travaillent dans l'entreprise, j'ai peut-être 10 personnes, 100 personnes, peut-être 10 000, peut-être 50 000 personnes. Ces personnes vont avoir des ordinateurs, des systèmes d'exploitation dans lesquels ils vont générer de l'activité et potentiellement des données. Et il y a un certain nombre de paramètres et de données sensibles qui peuvent être gérés par le profil de l'utilisateur. Donc là, ça peut être pour stocker de la donnée d'entreprise individuelle des gens qui participent afin de la sécuriser. Donc là aussi, c'est un besoin constant. Et là encore, on a à hein, utiliser ces partages Windows ou Linux qui nous permettent de monter des points de montage afin de stocker la donnée centralisée. Ce qui fait que si demain on vous change de machine, si demain il y a un problème avec euh, votre ordinateur, on ne perd pas la donnée puisqu'elle est centralisée. La donnée localisée dans une machine perd totalement sa pertinence et devient une forme, forme de risque pour nous. OK une autre activité possible, donc, c'est le Data Lake. Le Data Lake, qu'est-ce que c'est Alors, je ne vais pas dans ce qui est Data Warehouse ou ces bases de données je l'ai dit, ce n'est pas le sujet du jour. On pourrait revenir plus tard sur ces domaines-là, qui sont d'autres formes de stockage, mais plus constituées. Le Data Lake, c'est qu'aujourd'hui, on, on va s'apercevoir qu'on a de très grandes quantités de données elles sont là. Sauf que ces données, elles sont euh, très disparates en termes de format, de consommation. À un moment donné, je dis ouais, mais moi j'aimerais bien faire une lecture globale de toute cette donnée parce qu'il me semble pertinent que toutes ces informations soient croisées. Le souci, c'est que si j'ai plusieurs données qui sont dans des formats différents, à un moment donné, vous, soit il faut que je me force à retransformer cette donnée pour la faire rentrer dans une grande base de données géante, Data Warehouse, un entrepôt de données. C'est possible, on l'a fait et on le fait pour certaines solutions. Le problème de ça, c'est l'argument que ben, ça coûte quand même un peu le prix de trois bras, pas un mais trois. Oui, parce que ça demande beaucoup de puissance de calcul pour reformuler la donnée, surtout si elle est massive, et puis la restocker. Et si c'est juste pour faire quelques requêtes dedans, finalement, ça fait peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent dépensé pour un usage qui peut être difficilement justifiable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Le Data Lake, c'est cette approche de dire, mais tu sais quoi, en fait, la donnée que j'ai devant moi, elle a une structure. Si moi, je viens la lire là, dans cette base de données-là, par exemple, je peux la lire. Puis à côté, j'ai un stockage en mode objet, je peux lire cette donnée. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de constituer une espèce d'index temporaire qui ne permet, avec un langage unique, une façon unique de consommer toutes ces données C'est le principe d'un data lake, c'est-à-dire d'aller constituer finalement une couche de présentation et de consommation qui va me permettre de consommer des données diverses et variées dans des environnements spécifiques, euh, tout en simplifiant finalement leur consommation, puisque moi j'ai. Quand je, vais me, quand je vais me mettre devant avec mon outil d'analyse, de visualisation ou mon outil de machine learning, ça sera souvent aujourd'hui machine learning, des grands datasets d'apprentissage, ben, je vais avoir besoin d'un seul point d'entrée. Déjà que le machine learning coûte des moyens importants à mettre en place, je n'ai pas en plus envie de complexifier avec euh, le besoin de réinterpréter de la donnée, de la remettre en forme, etc. Donc, ça, c'est important pour moi. Et aujourd'hui, évidemment, ben, je pense que vous en entendez un peu plus parler régulièrement. On vous parle d'IA, on ne parle pas d'outils tiers, ça. Je ne parle pas des IA génératives, mais je parle des IA internes aux entreprises. L'idée de faire du, de, du machine learning, qui est une sous-section de l'IA, ou du, du deep learning, même, qui est une sous-section du machine learning. Tout ça, c'est des demandes qu'on commence à avoir de plus en plus. Ça ne veut pas dire que c'est générique que tout le monde fait, mais on l'a de plus en plus. Et donc, on voit bien que cette demande-là, elle nécessite des moyens importants. Là, on peut parler parfois de, de quantités de données très importantes. Et donc, potentiellement, on se doute bien que les moyens de stockage appropriés doivent suivre ce modèle-là. On a aussi la possibilité, donc, d'héberger des applications, évidemment, des applications potentiellement persistantes. Donc, je peux faire ça avec des serveurs, ouais, des serveurs web entiers, avec le stockage dessus. C'est possible, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais on est quand même en 2023, presque 2024. Aujourd'hui, on est dans une culture de médiaturisation, on est dans une culture de microservices, voire de serverless. Ça veut dire que la donnée ne doit plus résider dans la machine qui l'exécute. Bon, on va quitter ce modèle. Aujourd'hui, on est dans des zones proches du développement des applications qui dites stateless. Stateless, ça veut dire que ce n'est pas la machine qui contient la donnée, mais la donnée est décélarisée de la machine qui la consomme. Ça veut dire que dans ce cas-là, quand on fait des conteneurs, quand on fait des services en mode serverless, on ne peut pas stocker la donnée dans ces modules d'exécution qui ne sont que des. Finalement, vos conteneurs, vos serverless, ils sont là que pour calculer un instant donné et ils disparaissent. Après, ils sont très volatiles. Et donc, moi, la donnée, par contre, elle reste, doit rester consistante derrière. Donc, il me faut des services de données qui stockent cette donnée. Et évidemment, ensuite, on a besoin aussi de données pour stocker les données des applications les plus critiques, les plus importantes. On a besoin de moyens de données aussi pour migrer les données, pour les reprendre et pour les gérer de façon souple. On n'a pas, pas envie de devenir des spécialistes de data tous les jours dans notre domaine. Alors, on va regarder les types de stockage qu'on a aujourd'hui dans un cloud AWS. Oui, je vous dis tout de suite, évidemment qu'il y a plein d'options ici qui existent chez Azure, chez Google et d'autres fournisseurs de cloud. Mais là, on a choisi, nous, d'où ma spécialité, de vous présenter ces services du côté AWS. Donc, il n'y a pas une seule solution de stockage, il y a une multitude de solutions de stockage en fonction de nos besoins. On a des stockages en mode objet, on a des stockages en mode bloc, on a des stockages en mode fichier, il y a la notion du backup avec des services dédiés à ça, et puis on a une notion de transfert de données, c'est-à-dire que la donnée, pour qu'elle existe, il faut bien qu'on la crée quelque part. Vous allez me dire Oui, mais c'est l'application qui l'a créée. Bah, pas toujours. Des fois, la donnée, elle existait avant qu'on arrive, il faut la transporter jusqu'au fournisseur de cloud, et dans ce cas-là, on a besoin d'outils de transfert de données. Et donc, on a toute une multitude. Et on va commencer dans l'ordre par le stockage en mode objet. Donc, le stockage en mode objet, chez Amazon, il s'appelle S3. Qu'est-ce que c'est que le mode objet Je vais revenir juste un instant en arrière, deux secondes. Objet, bloc, fichier. Bloc, pour faire une petite introduction, un stockage en mode bloc, c'est les disques durs de vos machines. Voilà. Vous avez un téléphone portable, il y a un espace de stockage, c'est du mode bloc. Vous avez euh, une machine virtuelle avec... Euh, avec des disques durs, c'est du mode bloc. Vous avez un serveur physique avec des disques durs, c'est du mode bloc. Le principe du mode bloc, c'est d'être lié au matériel directement et de connaître le matériel physiquement avec l'OS, se l'approprier, faire un file system par-dessus, y accéder. La pertinence du mode bloc, c'est la performance puisqu'on ne sait pas faire plus rapide que le local. Et ça me donne aussi le détail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous écrivez un fichier qui fait 5 gigas en mode bloc, vous écrivez les 5 gigas. Ok, c'est normal, on vient de créer le fichier. Par contre, quand vous modifiez 4 kilooctets en mode bloc sur 5 gigas, vous n'avez besoin que de modifier les 4 blocs qui correspondent. Et donc, ça me donne un niveau de granularité et de maîtrise au niveau des blocs qui n'a pas d'égal aujourd'hui. Il y a des file systems qui vont permettre d'avoir, par exemple, l'accès à la même donnée en écriture simultanée par deux serveurs en même temps sur la même donnée. Seul le mode bloc sait faire ça aujourd'hui. Le mode fichier, pour s'en dissocier, c'est qu'on va s'apprécier directement au file system. C'est-à-dire qu'on va avoir un serveur de fichiers, un NAS par exemple. Alors mode bloc, hein, ça peut être des disques durs ou du mode SAN pour les baies de stockage. On n'en aura pas dans d'ici ici. Le mode fichier, c'est que j'ai un OS qui possède des, du stockage et qui décide de partager. C'est de la générosité. Hein, voilà, il est sympa ce file system. Il décide de partager ce file system avec d'autres serveurs. Donc c'est une relation client serveur sous un protocole de partage type NFS ou SMB. Qui est commun, et que les autres vont pouvoir monter, ça s'appelle un point de montage ou un lecteur réseau dans ce cas-là. Hein, et s'approprier cet espace de stockage ensemble. Le mode fichier a l'avantage, c'est que par le biais finalement d'une communication de système à système, par un client et par un réseau Ethernet, on arrive facilement à accéder au même espace ensemble. Attention, ce n'est pas parce qu'on accède au même espace qu'on veut forcément accéder à la même donnée. On peut être simplement un dépôt, un stockage de dépôt global pour stocker plein d'informations utiles pour nous. OK ça touche après ses limites dans d'autres problématiques. Donc le mode objet, je profite pour revenir ici. Donc le mode objet, c'est un mode web. C'est-à-dire qu'en fait, on abstrait carrément, on n'est plus au niveau du bloc, on n'est plus au niveau du fichier, on est carrément en dessous. On est dans une espèce d'abstraction, on dit c'est un mode, le stockage web. Moi j'appelle ça chez Amazon le stockage web à tout faire. Parce que finalement, il me faut une URL simplement d'accès. et Je peux mettre n'importe quel objet. Ces objets, vous allez me dire c'est des fichiers. Oui. Mais pourquoi on ne dit pas des fichiers bah Parce qu'il n'y a de, pas de file system, pour le coup. Comme il n'y a pas de file system, je n'ai pas de limitation due à la nature du file system. C'est-à-dire que c'est un stockage universel. Une simple URL d'accès me permet d'accéder à ce stockage. Que je sois sous Windows, sous Linux, sous macOS, sous Unix, ça ne fait aucune distinction. Je peux stocker n'importe quel type d'objet. Ici, les extensions ne rentrent même pas en compte, puisque ce sont les file systems locaux qui viendront consommer les données et les lire pour nous directement. Donc ce stockage en mode objet est une abstraction la plus complète. Des fois, on a du mal à saisir. On se dit bah, mais c'est quoi la différence pour entre le, le mode objet et le mode fichier et Je vais vous la donner. Vous le répétez à personne, hein, c'est un secret, c'est entre nous. Ce n'est pas comme si c'était enregistré. Donc, la différence entre un mode objet et un mode fichier, elle tient dans le fait qu'on peut créer une donnée dans les deux, pas de problème. On peut l'effacer, oui, évidemment, ça va de soi. On peut la lire complètement ou partiellement dans les deux cas. Par contre, en mode objet, vous ne pouvez pas modifier la donnée à l'intérieur du stockage. Alors qu'en mode fichier, on peut. Donc, en mode objet, vous déposez une donnée de 5 gigas, parfait. Vous voulez modifier 4 kilooctets, vous le modifiez dans votre application, dans votre système, et vous rechargez les 5 gigas intégralement. Et donc, le mode objet aura cette, on va dire, stratégiquement, c'est la seule vraie limite qu'on peut lui trouver. C'est que si on a besoin d'écrire une donnée et de la modifier sans cesse, le mode objet n'est pas du tout adapté à ça. Par contre, pour le coup, il est adapté à beaucoup d'autres situations, beaucoup d'autres choix. D'accord donc, chez Amazon, ça s'appelle S3. C'est un système de stockage en mode serverless. Serverless, ça veut dire qu'on n'a pas de notion de disque dur, d'OS, de réseau ici à gérer. On crée ce qu'on appelle un bucket. Alors, il n'y a pas de poulet, hein, comme KFC ici dans ce bucket. Donc, euh, ce bucket, il va contenir tous nos objets, donc, tous nos, tous nos, nos fichiers qu'on veut déposer dedans. On peut les déposer à la racine ou on peut créer des séparateurs qu'on appelle des préfixes et non pas des sous-dossiers, comme il n'y a pas de file system. Ce bucket a comme caractéristique d'être hautement disponible. Nativement, il est durable avec les fameux 99,9999999. Je vous fais pas la totale de durabilité. C'est-à-dire en fait c'est l'engagement grosso modo de vous perdre un fichier tous les 12 millions d'années quoi, un truc comme ça. Voilà. Donc la durabilité, ça veut dire qu'en fait la donnée elle est redondée nativement hein, dans mon bucket plusieurs fois dans ma région sur les data centers qui sont en dessous sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Ça c'est le bénéfice qu'on en a. Il est disponible à 99,99%. ,99%. La disponibilité c'est la capacité à rendre accessible le, le contenu. C'est la différence entre durabilité et accessibilité. Je peux avoir un contenu qui n'est pas accessible mais qui reste au présent derrière. Ce n'est pas parce que j'ai plus accès qu'il n'existe plus. Quand votre supermarché ferme les portes le week-end, les données, vous savez que les denrées qui sont dedans, elles existent toujours. On est d'accord. Mais c'est la même chose. Ce n'est pas parce que j'ai plus accès au service que je ne vais pas continuer à l'utiliser et qui ne qu va pas continuer lui à tourner en back-end. Donc je vais pouvoir mettre mes données. Ici, S3 n'a pas de limite. Si vous voulez mettre un milliard d'objets dedans, mettez un milliard d'objets dedans. Si vous voulez mettre 400 euh, pétas de, 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 péta de données ou même 14 hexas de données, vous pouvez y aller. De toute façon, vous serez facturé à hauteur du volume de données que vous mettez dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du S3 Dans quoi on l'intègre dans les architectures Alors, on peut faire beaucoup de choses avec S3. Comme je dis souvent, on va plus vite à dire ce qu'on ne fait pas avec que ce qu'on fait avec. Mais ben, on va quand même faire le tour rapidement pour que vous ayez un ordre d'idée des, des cas d'usage et du fait que finalement on l'utilise beaucoup. On a parlé de Data Lake. Ben, justement, S3, c'est un très bon stockage pour du Data Lake parce que j'ai ma donnée, elle est brute, elle est là. Un, je l'ai indexée en mode clé valeur. Ben, je peux aller chercher ensuite mon contenu. Et avec un autre outil, par exemple, comme Amazon Athena, je peux aller chercher l'intelligence en créant un index secondaire dessus, par exemple, pour aller faire des requêtes SQL. On peut bien sûr utiliser S3 simplement comme back-end de données d'une application. Et je vais vous donner un exemple qu'en fait vous connaissez déjà. Amazon Prime, vous connaissez. Dans Amazon Prime, vous avez un espace de stockage. C'est S3, en fait. Donc, Amazon Prime, c'est une, fa... une interface d'utilisation. Si vous utilisez Dropbox, même Dropbox est une interface graphique à S3, littéralement, qui permet d'utiliser ce mode-là. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait le mettre en back-end d'une application pour mettre des données des utilisateurs et utilisatrices ou des données à partager dans une équipe. Donc on peut l'utiliser aussi comme partage de données dans une équipe, justement. On va l'utiliser aussi dans les back-end d'outils de, de, d'automatisation, comme outils de configuration. C'est-à-dire qu'on va mettre par exemple des, des scripts. Si vous avez des scripts à, à, de déploiement, des templates, etc., ou des artefacts, on peut l'utiliser pour ça. On va le retrouver donc aussi pour faire du static web hosting. Oui, ça veut dire que mon Bucket S3 peut, peut stocker et me présenter publiquement du contenu de site web. Donc, carrément, la structure statique d'un site web. Vous savez que sur un site web, hein, il, y a du parti, il y a une partie statique, une partie dynamique. La partie statique, c'est tout, tout ce qui est commun à tous les utilisateurs, toutes les utilisatrices. Et la partie dynamique, c'est les champs spécifiques où on va rentrer de l'interaction. Ben, la partie statique peut être entièrement hébergée chez S3. Et d'ailleurs, c'est un conseil qu'on donne très, très fréquemment aux utilisateurs, aux utilisatrices de S3. On dit ben, quand vous avez des sites web, ne mettez pas la donnée sur vos VM, sur vos disques durs, vous allez pourrir vos machines, vous allez rajouter de la complexité pour rien et de la lourdeur autant la mettre sur S3, sachant qu'S3 est bien plus performant que nos machines et pourra tenir des millions de visites par seconde, alors vos machines se seront effondrées depuis très longtemps. On va l'utiliser évidemment pour mettre de la sauvegarde, potentiellement faire des archives avec une autre partie du service qui s'appelle Classier. On va l'utiliser aussi pour les systèmes de log. D'ailleurs, c'est un prérequis obligatoire de la plupart des systèmes de log d'Amazon. On vous demande d'avoir un bucket S3 pour stocker les systèmes de log, et on peut mettre nos propres logs. On peut s'en servir aussi comme articulation dans un workflow. Parce qu'en fait, la subtilité, c'est qu'S3, ce n'est pas juste du stockage, c'est aussi des événements. Donc, on peut utiliser S3 pour nous communiquer des événements précis de ce qui s'est passé pour engendrer une action. Donc vous pourriez avoir une, un, un bucket qui reçoit de la donnée, par exemple des photos. Imaginez, vous téléchargez des photos sur un site et ces photos ne sont pas aux bonnes dimensions. Donc est ce qu'on voudrait bah, C'est qu'elles soient redimensionnées systématiquement. Aucun problème. On pourrait utiliser un service comme une fonction lambda, donc du serverless de compute, qu'on va relier directement l'un à l'autre. Ce sont des liaisons qui existent dans le cloud et qui va faire qu'à chaque nouvelle photo qui arrive, une fonction lambda est appelée, et fait le boulot pour nous directement, et reposte évidemment le résultat. Et après, on peut utiliser ça de façon indéfinie, on a plein de scénarios possibles. On en a parlé tout à l'heure, on peut utiliser aussi comme back-end de données, pas forcément d'ATALEC, -like, mais directement pour du machine learning ou, ou du deep learning. Ça peut être votre stock de données, là aussi ça peut être intéressant. Il y a encore d'autres usages que je n'ai pas mis ici, qui sont plus spécifiques, donc, vous imaginez le, le potentiel du service, et donc le nombre de fois où on va l'utiliser finalement. Alors, quand on fait du S3, ensuite, on a des classes de stockage, c'est-à-dire qu'on va avoir des performances ou des prérequis nécessaires qui nous vont permettre de choisir une option ou une autre. On a quatre classes de stockage. Vous noterez que le schéma est très à jour parce qu'on en a une qui est arrivée il y a dix jours. Donc, j'ai rajouté la nouvelle. On a le S3 standard, normal. On a ce qu'on appelle le standard infrequent access. On a le one zone correspondent access. Et le petit nouveau dans la famille s'appelle one-zone express qui est arrivé il y a dix jours. Donc, le standard, c'est fait pour une donnée durable avec laquelle on va souhaiter avoir beaucoup d'interactions. Pourquoi je parle des interactions Pourquoi Parce que la facturation de S3, c'est le poids de la donnée et le nombre d'interactions. Donc, c'est un élément important pour nous dans la facturation. On voit les disponibilités, on voit la résilience, plus de trois reprises dans ma région, OK. Le, la latence du produit, OK, très rapide, millisecondes, très bien. Donc, S3 standard, c'est le prix de base. In frequent access, c'est qu'on vient stocker une donnée, mais qu'on va avoir peu d'usage. Et donc, pour le coup, on aimerait qu'Amazon nous fasse un geste. En l'occurrence, en infrequent access, typiquement une infrequent access, c'est de la sauvegarde, par exemple. Eh c'est des données qui vont être volumineuses, sur lesquelles je veux faire des économies de stockage. Donc, je voudrais que le prix descende un petit peu. Donc là, en l'occurrence, il va quasi, quasiment, je dis bien, être divisé par deux au prix au giga. Donc, ça peut faire des grosses économies. Par contre, le prix des interactions est multiplié par deux. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, quand même, pour qu'on sache de quoi on parle. Le prix au giga d'S3 en France aujourd'hui, ça doit être à peu près 2,4 centimes. Donc 2 ,4 centimes 4, le giga. En infrequent access, c'est 1,38. Et les prix des interactions, c'est un demi centime les 1000 requêtes qui deviennent 1 centime pour 1000 requêtes. Voilà les ordres d'échelle. Okay. On a aussi à côté de ça, le infrequent access one zone. Donc le infrequent access one zone, ça veut dire qu'on va avoir un stockage qui est fait pour la redondance, en fait. On va l'utiliser parce que j'ai déjà un bucket S3 et lui, c'est sa copie. Et comme sa copie, je vais par exemple ici, moi, stratégiquement, l'utiliser que pour ça. Je voudrais que ce soit le moins cher possible. Et tu sais quoi Comme l'original est en standard et que la copie est déjà une copie, ça fait déjà suffisamment de redondance. Donc, je vais lui demander de s'appuyer uniquement sur un data center, de recopier en plusieurs exemplaires dans ce data center exclusion. Donc là, c'est vraiment pour une question d'économie. Donc, le petit dernier arrivé dans la famille qui est arrivé il y a quelques semaines, donc il y a quelques jours, je ne sais pas à quel moment vous regarderez le replay, euh, ben, c'est le One Zone Express. Donc, on est au mois de décembre, hein, ça vient d'arriver. Donc, le One Zone Express, Amazon a créé une version spécifique où là, vous allez spécifier dans quelle EVT Zone vous êtes. Donc, les AVT Zones, hein, c'est la synthèse des data centers chez Amazon. Donc, vous avez une région, par exemple, à Paris qui est composée de trois AVT Zones. Et pour un souci de performance, on pourrait dire, ce serait bien que le bucket, il soit physiquement dans la même AVT Zone que mes serveurs. Pour avoir bah, le bénéfice du moins de latence possible. Donc là, on a une milliseconde inférieure à ne... On a une, pardon, une latence, excusez-moi, inférieure à 9 millisecondes. Quoi qu'il arrive. Donc là, ça peut être très important quand on fait justement des datasets pour du machine learning. C'est pour ça que c'est un mode aussi qu'on ne doit pas utiliser autrement que pour ça. Et ça peut être évidemment une utilisation ponctuelle. On peut mettre de la donnée qui vient d'un autre bucket dans celui-ci pour le besoin. Et puis ensuite, une fois que c'est fini, on peut très bien le purger, l'enlever complètement si on n'a pas besoin de le garder. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec ce bucket Eh bien, nous, on va l'intégrer puisque si ça peut être le back-end de mes bases de données ou de mes outils, ben moi, je vais avoir des services qui le consomment. Je vais mettre des mots-objets. On a vu qu'on avait des événements. On peut mettre des alertes sur ces événements, se mettre des notifications pour être prévenu des événements. On a bien sûr un système de log aussi qui tourne autour pour le gérer. On a la possibilité d'aller pousser nos données vers des archives avec des qu'on va présenter dans quelques instants. Et on a la possibilité aussi de faire des réplications avec d'autres buckets, donc par exemple pour se recopier dans d'autres régions. Et on a des life cycle policy pour gérer tout ça ensuite, pour faire gérer. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Si vous avez une donnée qui est en standard, peut-être qu'au bout d'un moment, elle n'est plus très utile. Et vous allez faire quoi Vous allez la mettre en infrequent Access. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez en faire une archive. Et puis peut-être au bout d'un moment, vous allez la détruire. Donc, ça s'appelle des life Cycle policy. La sécurité de ces buckets va se faire évidemment au niveau des permissions d'accès. Et là, c'est un sujet évidemment très sensible. Là, on va regarder ici dans une forme d'introduction, ça va être léger. Là, ça nécessite de, de se pencher après dans le détail de façon très concrète pour comprendre. On a plusieurs niveaux d'accès pour les permissions. On a les, les, ce qu'on appelle les IAM policies, donc les, les policies globales sur le service dans, de façon générale. Ça, c'est ce qu'ont tous les services. On a les access lists. Les access lists, je ne vais pas en parler plus qu'ici. Pourquoi Regardez, deprecated depuis trois ans, c'est-à-dire qu'on entraîne les foot dehors, on va les enlever. Les, les access lists des buckets et la, sont la raison des failles de sécurité les plus prégnantes qu'on a dans cloud. Bah, c'est tout simplement l'accident numéro un du cloud, c'est le client qui met un bucket entier en public. Quand je dis en public, c'est en public avec la planète entière. Donc là, évidemment, c'est le genre d'accident qu'on veut plus voir. Et donc aujourd'hui, on gère ce qu'on appelle des buckets politiques, c'est ce qui va être le plus précis. Les données sont chiffrées dans S3, c'est plus un choix. Donc ça y est, ça c'est depuis février 2023. Amazon a décidé de, de, pa, de passer, on va dire, le cap en disant Bon, puisque les clients ne font pas le boulot, vous savez quoi On va le faire nativement. Donc aujourd'hui, dès que vous créez un bucket, ce bucket, il est chiffré. Vous n'avez pas le choix. Ce que vous avez comme choix, c'est les options de chiffrement que vous pouvez utiliser. Donc il y a les options internes d'Amazon, il y a les options externes. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Dans ce cas-là, pour chiffrer vos données. Et on peut évidemment répliquer nos données entre régions pour la redondance, pour la résilience, ce qui fait que si j'ai un problème dans une région, si Amazon a un problème dans une région, moi, je peux retrouver une redondance de ma donnée dans une autre. Bien sûr que ce n'est pas gratuit. On se doute bien, hein. deux copies de la donnée, ben, je paye les deux, plus la réplication, mais je peux en avoir besoin. On peut activer aussi le mode lock. Le mode lock, vous le connaissez sous un autre nom. On parle de Warm, Write Once, Read Many. C'est-à-dire que la donnée va être disponible, accessible, mais elle est impossible de la modifier ou de la supprimer pendant une certaine durée. Après, on a plusieurs modes. Hein. Gouvernance, qui est assez souple. Compliance, c'est très, très strict. Euh, et legal hold, ça permet de dire, c'est pas sur une durée, c'est simplement un choix. Et tant que j'ai la, c'est ce qu'on appelle la, la, la c'est la rétention légale. Donc tant que vous décidez que c'est une rétention et qu'il faut la garder légalement, ben, on la garde en place. Voilà. Et on a bien sûr des logs qui peuvent nous permettre de garder la maîtrise complète de ce service. Ensuite. On peut activer des fonctionnalités de versioning. Qu'est-ce que c'est que le versioning ben, Le versioning, c'est une façon pour nous de conserver la donnée historique. Si vous n'avez pas de versioning sur votre bucket, ça veut dire que si vous détruisez une donnée, c'est fini. Voilà. Vous pouvez pleurer, vous pouvez trépigner, taper du, du, du pied par terre ou des points. Vous n'aurez rien de plus. Il ne se passera rien de plus. Vous aurez perdu votre donnée. Donc le versioning, c'est une fonctionnalité qu'on active au niveau du bucket, par contre, dans son intégralité. Ben, je vous dirais que si vous avez besoin de versionner des données et pas d'autres, mettez-les dans des buckets différents. Je rappelle qu'on est en serverless. Ça, voilà, ça veut dire qu'on ne paye pas les buckets, on paye le contenu des données qui sont dedans exclusivement. Donc, quand j'active le versioning, ça veut dire qu'il va y avoir un état dit courant, donc l'état actuel de la donnée, et on a les previous versions, donc les anciennes versions qui seront conservées. Évidemment, ensuite, ce menu previous version, il n'est pas accessible à tout le monde, mais il peut être rendu accessible à mes équipes de support, ou pourquoi pas, même vous pourriez développer une application qui utilise les API d'Amazon pour fournir la même fonctionnalité dans votre application. Un utilisateur utilisatrice a payé un album en premium à votre appli et a effacé un message par erreur, mais là vous dites en fait, non utilise le versioning pour pouvoir permettre à cette personne de récupérer le message. Donc voilà, ça ferait être une fonctionnalité. Attention, pour le coup, ça veut dire qu'on paye toutes les versions. Et donc là, le prix du versioning, ce n'est pas le versioning lui-même, c'est le fait qu'on ait chaque version qui est stockée. Donc après, il va falloir gérer les cycles de vie de ces versions afin de pouvoir éviter de revenir dessus et d'en garder trop que ça nous coûte trop cher. Le versioning peut être une option obligatoire. Par exemple, quand vous faites du mode lock, on a parlé du mode lock, ben le mode lock nécessite que le versioning soit activé, par exemple. Alors, si on étend un petit peu, on va quitter S3, on va le compléter avec un autre service qu'on appelle Glacier, alors qui s'appelle maintenant S3 Glacier, mais qui avant s'appelait Glacier tout court. Donc, Glacier, c'est un mécanisme d'archivage. Donc, l'archivage, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas le requalifier plusieurs fois, on l'a déjà dit dans l'introduction. L'archivage, c'est une donnée qu'on sort de la production pour des besoins de, de résilience à long terme soit parce que c'est légalement imposé, soit parce qu'on a décidé, nous, de garder la donnée. Et ça nous permet de rentrer dans un cadre de conformité. Par contre, l'archivage de glacier est reconnu comme une archive au sens légal du terme. C'est important, parce que quand une entreprise vient dans le cloud et qu'elle veut mettre en place un archivage, elle ne veut pas vouloir ressortir du cloud pour le faire. Elle veut que le cloud fournisse la fonctionnalité. Donc, glacier, c'est la vraie solution d'archivage au sens légal du terme et reconnue. Et ce glacier aujourd'hui vient avec en plusieurs versions même. Vous pouvez donc créer un coffre-fort glacier dans lequel vous mettez vos archives. On a le mode Deep Archive, on a le mode Flexible Retrieval et le mode Instant Retrieval, qui sont trois modes avec des graduations. Le mode Deep Archive, c'est pour stocker la donnée de façon le plus durable possible, le plus longtemps possible, le moins cher possible. Vous êtes à un dixième de centime le giga, donc c'est vraiment très peu cher. Par contre, le temps de récupération d'une donnée, c'est de 12 heures au minimum jusqu'à 48 heures pour l'option la moins chère. Bah, c'est de l'archive, après tout, ce n'est pas très grave, c'est commun. Et c'est un mode dans lequel on vous demande d'être gentil avec, et de ne pas trop le brusquer, de ne pas lui demander de faire trop de trucs, parce qu'en fait, il n'est pas fait pour ça. Donc, si vous voulez récupérer plus souvent des données, il faudra prendre plutôt un flexible retrieval, qui va vous permettre potentiellement de récupérer la donnée de façon commune entre 3 à 5 heures. On peut lui demander de faire entre 5 à 12 heures, ce soit moins cher. Il y a un mode, on va dire, urgence express, en quelques minutes. Par contre, il est très cher volontairement. Bah, une archive... C'est fait pour prendre son temps. Donc, quand vous arrivez et que vous dites je veux être très rapide et très pressé, vous les embêtez, donc c'est factureux. Si vous voulez aller très vite tout le temps, parce que par exemple, vous me dites, mais moi, j'ai fait une archive, mais je ne suis pas sûr qu'en fait, je ne connais pas l'appli, je viens de la créer, je ne suis, pas... suis pas sûr que j'aurais dû la faire tout de suite. Vous pouvez utiliser le dernier mode qui a été ajouté il y a deux ans, qui s'appelle l'Instant Retrieval. Donc, l'Instant Retrieval, ça fait une archive, mais ça vous répond à la même vitesse qu'un S3. L'intérêt étant de beaucoup de ne pas avoir la pénalité du prix du retour. Et puis, une fois qu'on a. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on voulait faire, une fois qu'on est heureux sur la, sur la durée à laquelle on doit mettre les données dans les archives, on arrête de l'utiliser. Mais là encore, c'est un choix et ça peut être plus rentable d'utiliser l'Instant Retrieval. Dans Glacier, les données sont chiffrées. Amazon ne vous a jamais laissé l'option ni le choix. Donc Glacier, on va l'intégrer, nous, avec nos architectures. Ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer nos, architect... nos, nos, archi... nos données dans les archives. On va bien sûr pouvoir les supprimer au bout d'un moment. Ça s'intègre aussi au Lifecycle Policy. Ça va nous permettre de faire des live cycle aussi, même de restauration. Quand vous récupérez une donnée, on peut récupérer la donnée, la repositionner sur un bucket pour la restaurer. Attention, Glacier, on peut lui parler directement, déposer une donnée dedans. Il y a des API pour ça. Par contre, le retrieve, c'est forcément un job qui est décliné dans le temps. Vous avez vu, hein 3 à 5 heures, etc. Euh... Euh, on, on, on a la possibilité de récupérer la donnée. Par contre, on a un délai de temps. Le délai de temps n'est pas lié à la taille de la donnée, il est, il est lié au fait que ce soit accompagné d'un délai. Même chose, un glacier peut permettre de verrouiller les données. C'est le mode lock qu'on a aussi ici, qui permettra de dire bon, ça veut dire que la donnée, pendant, je ne sais pas, un mois, deux mois, six mois, on peut la voir, on peut la retrieve, mais on ne peut pas la détruire. Donc c'est une période de protection. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en place, mais c'est possible de le faire. Allez, on va sur le mode bloc. Donc, le mode bloc plus simple, on est sur des disques durs de nos machines virtuelles. Chez Amazon, ça s'appelle les modes EBS. Donc, Elastic Block Store, on a des disques durs dont on va définir évidemment la taille, qui auront des performances. On va les associer à une machine virtuelle qui va nous permettre ensuite de l'exploiter. Ce, ce, ce disque dur doit être ensuite formaté par votre OS et exploité. On va pouvoir en faire de la conservation avec des snapshots. Snapshots qui s'appuieront sur S3. Tiens, bonne nouvelle. Et donc, on retrouvera les fonctionnalités de Bucket S3 ici. Vos disques durs ensuite dépendent d'un modèle qui vont venir avec des performances. Donc, on a deux grandes catégories avec des sous-catégories. On a le mode HDD, donc disque à plateau traditionnel, sur lequel on vient chercher surtout une économie et très peu de performance. Donc, c'est ce qu'on a avec le code HDD et le Throughput Optimize. Vous notez qu'on a des, des IOPS, donc des instructions d'input-output par seconde à hauteur de 250 ou 500, ce qui est très faible. Mais ça peut être nécessaire pour des données qui sont relativement dormantes donc au LGD, plutôt pour de la sauvegarde throughput pour des systèmes de log par exemple le Data Warehouse et puis si on veut de la grosse performance on sort les disques qui s'appuient sur du SSD cette fois-ci avec le General Purpose et le Provision Iops au General Purpose on plafonne à 16 000 IOs cette fois-ci donc vous voyez on est passé de 250 500 à 16 000 d'un coup et on peut monter jusqu'à 250 000 IO pour les systèmes les plus exigeants qui nécessitent de très très grosses performances attention par contre il <laughs> n'y a pas de miracle si vous voulez le plus rapide c'est évidemment beaucoup plus cher donc là, entre le premier et le dernier, il y a une différence qui est considérable. Alors, pour le Call GDD Throughput optimize, General Purpose, vous payez, la facture est au giga acheté, voilà, pour, par mois. Donc vous avez tant de gigas alloués, c'est tant de dollars et vous le payez. Pour le ProVision IOPS, il y a le poids de la donnée plus la quantité d'IO par seconde que vous allez préallouer. Donc on a intérêt à être justifié là-dessus. À nous de voir ensuite l'utilisation. Évidemment, je vous rassure, vous pouvez changer d'avis, changer de modèle quand ça vous chante. Et passer d'un l'un à l'autre, potentiellement même à chaud pour certains d'entre eux. Et on a la possibilité aussi de faire donc des snapshots. Donc la logique de snapshot, c'est une capture instantanée de ces disques afin de pouvoir les restaurer. Ça s'appuie sur S3. Alors vous ne les verrez pas dans un bucket S3, vous avez des menus de gestion des snapshots directement, mais ça s'appuie sur S3, donc ça veut dire qu'on a la redondance d'S3, on a la réplication entre régions qui est possible, etc. Donc on comprend qu'on a toutes ces fonctionnalités. Amazon va même utiliser ce modèle pour faire ce qu'on appelle des AMI, je ne sais pas si on a qui connaît ce terme, Amazon Machine Image, donc les images de boot des machines EC2, ce sont des snapshots qui sont sur S3. L'intérêt du snapshot, évidemment, bah, c'est comme les snapshots que vous avez chez VMware ou autre, hein. ce sont des captures instantanées de la donnée qui va me permettre ensuite de garder de façon durable cette donnée afin de soit la restaurer plus tard dans le temps ou soit la restaurer dans l'espace ailleurs, dans une autre UTZone, dans une autre région, afin d'être redondant. Okay donc là aussi, très pratique. L'autre intérêt du snapshot... Bah, c'est que le snapshot coûte au moins deux fois moins cher que le moins cher des OBS. Donc, ça peut être une façon aussi de garder, constitu... on va dire, intègre une donnée quand on n'en a plus l'usage afin de pouvoir la, ré... de la conserver moins cher le temps de la répliquer ou de la récupérer, par exemple. Les disques OBS, on peut donc les créer, les attacher. Une fois que c'est fait, on les formate. Ensuite, on les exploite. Donc, vous mettez ce que vous voulez dedans. On peut en faire des snapshots. On peut les deleter ou les réattacher, déployer ailleurs et on peut détacher le disque pour le rattacher ailleurs, ou on peut le détruire. Attention, les machines virtuelles qui exploitent les disques n'ont pas forcément le même cycle de vie. Je peux créer un disque dur, puis créer une machine et les associer. Je peux dissocier les deux, les rattacher. Je peux détruire une machine. Petit détail par contre, quand vous créez une instance OC2 et qu'il y a des disques dessus, par défaut, quand vous détruisez la machine, ils sont détruits avec. Donc c'est pour ça, il faut penser à décocher les cases qui vont avec pour pouvoir récupérer ces disques. Et bien sûr que EBS est un système de disques chiffrables. Eux, ils ne le sont pas par défaut. Ce sera à nous d'activer le chiffrement. L'Instant Store, c'est une autre opportunité qu'Amazon nous fournit d'avoir un stockage, cette fois-ci, qui sera éphémère. L'EBS, le est persistant. Il est persistant parce qu'il n'est pas dans le serveur qui m'exécute. Il est dans une technologie de stockage à part. L'Instant Store, c'est la possibilité de consommer un espace temporaire, volatile, qui est à l'intérieur du serveur physique qui héberge ma machine virtuelle. Donc, l'Instant Store, c'est une question d'opportunité. Il y a quelques classes de machines qui le supportent et qui me permettent d'avoir un espace de stockage qui peut aller jusqu'à 365 000 IO par seconde cette fois-ci. Quel est l'intérêt ben, C'est que ça fait partie du prix de la machine, pour le coup, quand je l'achète. C'est, on vient de le voir, très performant. La contrainte, c'est que c'est éphémère. C'est-à-dire que dès que vous éteignez la machine, vous rallumez, ce n'est plus le même disque. Il est remis à zéro. Donc, ce n'est pas fait pour, le, pour, la, pour de la donnée durable. C'est fait pour de la donnée temporaire, soit des systèmes de log qui filtrent, qui passent ailleurs, soit pour des systèmes de cache, du swap par exemple, ou de la donnée volatile dans des conteneurs par exemple. C'est très utile pour ça. Mais on ne met rien de, 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 de définitif dedans. Je vous rassure, bien sûr, les deux sont compatibles. On peut faire et de l'EBS et de l'Instant Store dans la même machine, le cas échéant si on a besoin. Si on a besoin de partage, on peut faire de l'EFS et FSX. Donc, peu partage, ça veut dire, on l'a dit, un file system partagé au travers du réseau. Donc, EFS, on est sur un système qui ressemble beaucoup à, à comment ça s'appelle, à notre ami euh, S3, sauf qu'en fait, on a un file system NFS au passage qui va me permettre ensuite de remonter ce partage au travers du réseau, ce qu'on appelle des mount de target. En fait, on va mettre des cartes réseau littéralement dans notre réseau pour que les serveurs puissent ensuite se connecter à ce partage. Là encore, on a un système de service qui va aller très très fort en performance. On a des options de granularité qui peuvent me permettre de dire je veux très peu de débit et pas payer trop cher ou je veux beaucoup plus de débit mais je suis pris à payer beaucoup plus cher. EFS existe aussi en one zone frequent, euh, access donc ça nous permettrait d'avoir une copie et on peut même l'utiliser avec des outils de backup d'Amazon comme AWS Backup pour restaurer la donnée. Si vous faites du Windows, on a d'autres collections, ça s'appelle FSX for Windows File Server, c'est le même concept mais adapté exclusivement à Windows. Dans ce cas-là, même chose, on aura des points de montage et ce sera du système SMB pour le partage. Mais vous notez qu'il y en a plusieurs des FSX. Il y a FSX for Lustre, Lustre étant un file system pour les systèmes sous Linux, sur des, du cluster à haute performance pour les systèmes de machine learning, par exemple. On a FSX for OpenZFS. OpenZFS est un file system qui est compatible avec les systèmes ARM-based. Or, c'est une autre architecture de processeur qu'Amazon utilise aujourd'hui. Et puis, on a la partie FSX for NetApp Data on Tap. Donc, NetApp étant le constructeur de stockage que vous connaissez peut-être déjà à côté. Donc, là, c'est pour s'assurer la compatibilité avec des outils tiers, ce qu'on pourrait tout à fait supporter. Quid du backup pour le coup Donc, là, on a vu les supports. Ben, le backup, ça peut se faire avec le service à backup. Amazon a fini par entendre les demandes des utilisateurs il y a quelques années et a produit le service qui permet qu'on évite d'utiliser des produits de tiers qui sont sous licence et qui peuvent s'avérer potentiellement très onéreux. Ici, on a un service qui n'a pas de coût additionnel. C'est-à-dire que quand je l'utilise, moi je fais des sauvegardes, la seule chose que je paye, c'est le poids de la donnée de sauvegarde. Ce que j'aurais fait qu'un outil de tierce aussi, de toute façon, c'est la même facture que j'aurais payée entre nous, excusez-moi. L'intérêt de l'outil, c'est va être de pouvoir fournir bah, la possibilité d'intégrer de la sauvegarde dynamiquement, et je vais même dire globalement. En mettant des choix stratégiques. On peut utiliser ce système-là avec tous les services d'Amazon qui le supportent. Vous avez la liste-là, je ne vais pas la commenter ici. Vous avez la liste comme information. Ces systèmes de sauvegarde ensuite nous permettent de granulariser, de dire qui fait les sauvegardes, à quelle fréquence, à quel moment, combien de temps on les garde, combien de versions vous les gardez, par exemple. Tout ça, c'est possible, ce qui est assez commun pour la sauvegarde. La donnée va être chiffrée. Elle peut être stockée dans des coffres-forts dédiés, des vaults spécifiques. Donc, pour chacun des, 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 chacune des équipes, par exemple. Ça veut dire qu'en termes de granularité de, de permission, on est capable d'avoir un service qui va laisser à chaque équipe la possibilité de consommer ses propres sauvegardes, de les restaurer. Les API du service existent. Donc, là aussi, on peut l'intégrer à ses propres applis. Donc vous pouvez développer une application qui consomme la dose backup comme fonctionnalité de sauvegarde pour cette appli, pour que vos utilisateurs en exploitent. Et on peut la rendre même globale, cette option. Par exemple, je dis souvent en conseil… Euh, la sauvegarde, je ne vais pas le générer équipe par équipe. Il hein. faut arrêter, parce qu'on sait très bien qu'il y a du monde qui va oublier de faire le boulot, ça va être mal fait, il y a des trucs qui ne vont, qui vont pas avoir lieu. Donc, moi, j'ai besoin potentiellement de, euh, de pouvoir utiliser ces sauvegardes de façon centralisée. Donc, avec un service comme Adolescent Organization, qui sert à gérer justement des organisations complexes et multi-accounts, on va pouvoir créer des politiques de sauvegarde globales qu'on applique sur tous les services qui sont concernés d'un coup, en évitant pour le coup bah, l'écueil de chacun dans son coin, fait son truc mal et que ce soit pas carré. Et si on a besoin d'envoyer de la donnée dans le cloud Grande question. Donc, la donnée dans le cloud, il y a des services pour ça. Un d'entre eux s'appelle la Storage Gateway. Donc, la Storage Gateway, ça permet de monter une espèce d'unité de stockage à la maison. Donc, la Storage Gateway, c'est vous qui le mettez chez vous. C'est une VM, hein, VMware ou Hyper-V. Euh, si vous êtes aux États-Unis, c'est même un boîtier physique que vous achetez et qui va permettre de montrer, en fait, dans cette VM, une forme de stockage neutre. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème en fait Pourquoi les clients, ils n'utilisent pas les API d'Amazon directement C'est vrai, on pourrait dire ça. Les clients vont pas utiliser les API d'Amazon parce que peut-être que l'outil qu'ils ont à la maison, les VM qui sont à gauche ici sur le schéma, peut-être qu'elles ne sont pas du tout compatibles avec Amazon aujourd'hui. Donc, il nous faudrait un intermédiaire pour cacher la réalité. Donc, c'est un Storage Gateway, c'est une façon pour nous de créer comme ça une espèce de, de conduit sécurisé qui ne montre pas Amazon, mais qui permet de solliciter Amazon au travers de ce canal. Et donc, on va pouvoir monter à partir de cette machine qu'on installe ici chez nous. Un stockage assez neutre, soit un partage de fichiers aussi simple que ça, comme on en a chez nous, soit un partage d'une lun, donc on parle de iSCSI ici, donc d'un du, mode bloc, soit carrément un lecteur de bande virtuelle, oui, c'est-à-dire on, on se fait passer pour de la bande magnétique alors qu'on n'en est pas. L'idée étant que l'outil, par exemple, imaginez qu'à gauche c'est un outil de sauvegarde que vous voulez utiliser, mais que vous ne pouvez pas marier avec Amazon, et donc vous avez votre outil local que vous utilisez, la Storage Gateway. Qui va vous présenter un lecteur de bande virtuelle en ISSI. L'outil de sauvegarde va dire Ah, ben j'ai un lecteur de bande en plus, tiens, parfait. Je vais mettre de la donnée sur cette bande magnétique et dans telle étagère, et ça va se traduire en transfert de données jusqu'à Amazon. Et à l'intérieur d'Amazon, ça va aller se créer, par exemple, dans Glacier, ça va vous faire une archive. Et l'intérêt, évidemment, c'est que le jour où j'ai besoin de faire une récupération de données, l'outil de sauvegarde chez à gauche, lui, il a, qui est à la maison, il n'a toujours pas changé ça. Il dit Ah, ben je voudrais récupérer telle donnée qui est dans telle étagère, dans telle cassette. Et en fait, l'outil va faire la translation il dit en fait, euh, en réalité, je vais chercher telle archive chez Glacier, je vais le rapatrier. Alors, ce n'est pas un outil très commun, je ne vais pas vous le cacher, je vous le présente pour le principe, pour ce que c'est dans la thématique, mais c'est un outil que très peu de clients utilisent, parce que finalement, la plupart des clients, ils passent par leur réseau, ils parlent aux API d'Amazon et ils créent des clients applicatifs chez eux pour communiquer avec les outils d'Amazon. Mais quand on a ce besoin justement de, de standardisation très très fort d'abstraction ou d'incompatibilité, ça peut s'avérer très utile. Donc, ça, c'est un mode. On peut utiliser DataSync aussi, ben justement, dans, dans des formes de clients plus simples. DataSync, vous allez avoir un agent pour le service là, installé. Vous voyez, c'est moins lourd, juste un petit agent, qui va me permettre de me connecter au service DataSync pour aller, par exemple, vers EFS. EFS n'étant pas compatible avec la Storage Gateway, ça peut expliquer aussi pourquoi on l'utilise. Donc là, ça nous permettrait de faire du, des copies de serveurs NFS, par exemple, de partage sous Linux, jusque chez Amazon d'une façon assez simple. Donc le service, là encore, ne, ne possède pas trop de difficultés. Si maintenant je veux déplacer de la donnée physique, ah bah oui, c'est possible. Imaginez que vous n'ayez pas de réseau. Imaginez que vous êtes actuellement dans un territoire, euh, soit après une catastrophe, ou vous faites une expédition scientifique dans un territoire où il n'y a pas de réseau. Bah, vous êtes peut-être avec vos, vos machines, vos serveurs, vos corps portables, vous travaillez et vous voulez sauvegarder la donnée quelque part sur un disque externe. C'est la famille Snow, rien à voir avec John Snow, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, ah ben bah mince, il y a l'image qui n'est pas venue, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu le snowball qui a disparu. Euh, donc le snowball, le Snowcone et le snowmobile, j'ai deux images qui ont disparu, je ne sais pas. Ou alors c'est qu'il y a de l'animation. Ah oui, c'est d'accord. Je suis désolé. C'est des images que j'ai récupérées dans un autre truc que j'avais mis en place. Il y a de l'animation, autant pour moi. Donc, snowball, Snowcone, snowmobile. Snowcone, snowmobile, snowball, ce sont des caissons physiques qu'on loue, qu'on revoit, euh, qui nous sont envoyés par coursier. Donc il y a un coursier attitré, si je ne dis pas de bêtises en français, UPS. Qui vous l'amène jusque chez vous, vous connectez le boîtier chez vous physiquement, donc vous voyez qu'il y a des prises Ethernet dessus. Pour le Snowcone, il y a du Wi-Fi même dessus, pour le Snowball, il y a même des prises fibres. Et puis vous pouvez remplir les espaces de stockage. Vous notez que le Snowcone est capable d'aller jusqu'à 14 Tera le boîtier, et les Snowball peuvent monter à 80 Tera pour le plus gros. Et donc ça nous permet de remplir les disques avec un client applicatif, on chiffre les données, et une fois que c'est fait, on remballe. Et vous n'avez rien d'autre à faire, en fait, parce que comme le service est connecté à Amazon, à partir du moment où vous avez dit que le boulot est fini, qu'est-ce qu'il fait Il recommande le coursier qui vous le renvoie chez Amazon, et à partir de là, c'est déployé chez Amazon, et donc vous récupérez la donnée. Vous récupérez la donnée au rythme où elle apparaît chez Amazon. Donc si vous avez mis des milliers de fichiers sans les ziper, vous allez voir le fichier, vous me faire mesure où il arrive. Par contre, si vous me faites un gros zip, vous ne verrez que le zip une fois qu'il est déposé. Okay. Attention, c'est un service qui, donc, qui, on ne l'achète pas, on le loue, on récupère le boîtier. Vous l'avez par principe pour 10 jours et les jours suivants sont facturés. Donc ne faites pas comme certains clients à qui s'est arrivé de commander le boîtier, de l'oublier pendant 4 jours de côté parce que ces 4 jours sont payés et donc vous les perdez. Dans le snowball et le snowcone aujourd'hui, vous avez du compute, alors non snowball surtout. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des disques durs, messieurs, dames, c'est des serveurs externes. Donc ce sont des serveurs qu'on reçoit sur lesquels on peut faire du, du calcul. Alors, on ne va pas exploiter la donnée, mais imaginez que vous récupérez une donnée d'une application chez vous. Et vous savez déjà que cette donnée, il faudrait la reformater pour l'intégrer à son futur stockage. Si je le fais au sein du cloud, ça va me consommer de la puissance de calcul dans ce cloud et de la facture. Et ce n'est pas souhaitable. Si je le fais par contre dans le caisson, ça fait partie du prix du caisson. Et donc ça, je peux vous citer des fabricants d'avions très connus du côté de Toulouse, par exemple, qui, existent, qui, qui utilisent ça dans leurs avions pour récupérer les données de vol quand ils font des tests, pour ensuite rembarquer le boîtier. Ce sont des solutions qu'on utilise aussi, messieurs, dames, dans des disaster recovery plans. C'est-à-dire que vous êtes dans un bâtiment, vous savez, tiens, en ce moment, c'est la saison, il y a des inondations, manque de bol, votre région est touchée et vous avez peur que les salles serveurs se remplissent. Vous, prenez, vous commandez ça, vous les remplissez, vous les renvoyez dans le cloud et là, vous avez peut-être sauvé vos données. Ça arrive fréquemment, finalement, que les clients utilisent ça aussi pour ce besoin là Et ça peut être quelque chose qu'on utilise fréquemment parce qu'on se dit, ouais, mais moi, je migre dans le cloud une fois, une fois que j'ai migré, c'est fini. Non, 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 il y a des clients qui sont dans une architecture hybride. Ça veut dire qu'ils travaillent à cheval sur leur cloud privé et les clouds publics. Et donc, ça veut dire que régulièrement, ils peuvent avoir des volumétries de données qu'ils souhaitent embarquer sous, de cette façon-là, parce que c'est la façon la plus appropriée. Peut-être que le réseau que j'ai chez moi n'est absolument pas suffisant. Peut-être que si je le remplis à faire ça, ça ne marchera pas. Peut-être que ce sera beaucoup trop long. Puis, vous notez le Snowmobile. Alors bon, le Snowmobile, évidemment, c'est le camion. C'est quelque chose qu'on va moins commander facilement comme ça. Ça coûte assez cher. Par contre, c'est fait, donc vous voyez, 10 pétas à 100 pétas donc là on est sur des très grosses architectures ou des data centers qu'on va évacuer vous avez les clients qui font la for la, le, le, qui formulent le désir ou l'objectif de dire si je vais dans le cloud c'est pour abandonner mes data centers à terme et donc pour le coup si je veux abandonner mes data centers il faut que je les vide et pour les vider bah, potentiellement il faut que j'évacue la donnée peut-être que j'ai des quantités de données bah, quand on est à 100 pétas de données il n'y a pas de réseau qui tiendra le coup pour ça vous ne pourrez pas passer par du réseau à un moment donné il va falloir potentiellement passer par un copy physique donc, ça veut dire qu'on a le camion qui vient chez nous. Il y a une enquête qui est faite avant. Là, on ne peut pas le commander comme ça dans la console, évidemment. Hein, on, parle plus, on parle de quelques centaines de milliers de dollars ici, la location du service. Hein. Donc, c'est très, très cher, hein, mais c'est fait exprès puisqu'il s'agit potentiellement de grosses euh, migrations complètes. Ça comprend tout le service qui va autour. Je ne vais pas détailler ici. Les caissons euh, Snowbone, Snowball Snowcone hein, sont étanches, sont anti-choc, ils sont on, anti-ondes électromagnétiques. Et comme dit Amazon. Ce n'est pas une raison pour les jeter d'une piscine dans une piscine du huitième étage pour voir s'ils marche encore. C'est vraiment fait juste pour le transport. Eh bien, on arrive au terme, c'est très bien. En termes de timing, on est pile dans le temps. S'il y a des questions, ben écoutez, je vous laisse me les poser. N'oubliez pas de nous faire des retours aussi, de nous dire ben, si ça vous a plu. S'il y a des thématiques que vous voudriez voir aussi, ça nous intéresse, que ce soit dans les commentaires en venant nous voir ou chez Data Scientist pour savoir ce qui, ce qui pourrait être pertinent pour vous. À... À faire et puis s'il n'y a pas de questions je n'en vois pas pour l'instant écoutez messieurs dames il va me rester à vous remercier de nous avoir rejoints et puisque la période s'y si prête à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année je vous salue toutes et tous en souhaitant vous retrouver rapidement pour une future session et puis hop on se retrouve excusez moi j'essaie de récupérer ma souris pardon un peu plus tard messieurs dames au revoir et à la prochaine